Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule, eh bien pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier, pardon, message de cette semaine, vendredi 13
mai 2022. Dernier message de la semaine pour moi, n'est-ce pas? Parce que je termine avec vous le vendredi et je m'octroie quand même le week-end. Alors j'espère que vous allez, je ne sais pas, je me répète peut-être, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Vendredi 13, ben voilà, vendredi 13, si vous êtes superstitieux. Pour ma part, je vais commencer à penser tous les matins, j'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif, et le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé la chambre. Sommeil, rêve et voyage astro. La véritable cause de votre insomnie n'est pas seulement due à votre mental, n'est-ce pas? Ce n'est pas non plus dû à votre ego, votre angoisse ou même votre stress. C'est la suractivité de votre lobe temporal droit et de votre glande pituitaire qui est à l'origine de vos troubles du sommeil. Et il est crucial de vous créer un environnement propice à la détente et au sommeil. Donc, il faut vraiment prendre le temps de la détente et du sommeil. Dans votre nouvelle demeure de lumière, n'est-ce pas? Eh bien, vous devez créer une chambre adaptée à votre niveau d'évolution spirituelle. Vous devez optimiser la qualité de votre sommeil pour élever votre taux vibratoire. Et durant la nuit, n'est-ce pas, la suractivité de votre cerveau, combinée au travail qu'accomplit votre âme, eh bien, est la cause de votre insomnie ou de vos troubles du sommeil. Il serait peut-être bon pour certains d'entre vous de changer la couleur de votre chambre. Et pourquoi pas opter pour le bleu lavande, le bleu pâle ou le blanc. Pourquoi pas épurer le décor au maximum, ranger vos vêtements, retirer les miroirs, les photos et le téléviseur de cet espace de lumière, de cette demeure de lumière. Vous pouvez disposer des cristaux aussi, et pourquoi pas un diffuseur d'huile essentielle et encore un bol de sel. Purifiez régulièrement votre chambre avec de l'encens. C'est important, la sauge. Votre sommeil s'améliorera et vous pourrez explorer un sommeil profond. Vous souvenir de vos rêves et même pratiquer les voyages astro-conscients si vous en avez la capacité. C'est pas rien de faire des voyages comme cela, n'est-ce pas? Certains d'entre vous, peut-être, vous êtes dans une période propice pour faire des rêves prémonitoires. Alors soyez vraiment, vraiment attentifs, car ils pourraient vous indiquer la route à prendre. Ça pourrait aussi vous donner des réponses à vos questions. Et si vous êtes très réceptif et que vous êtes dans ce cheminement spirituel, d'autres, eh bien, vous pourriez prochainement expérimenter un voyage astral conscient qui vous mènera sur un autre plan de conscience.
Moi, je peux vous dire que j'ai assisté à trois TCH du docteur Jean-Jacques Charbonnier et waouh, je peux vous dire que c'est quelque chose. Et si vous avez l'occasion, l'opportunité de faire une TCH, eh bien, je vous le conseille en tous les cas. Et pour d'autres, eh bien, d'ici quelques jours, vous pourriez obtenir une récompense et ça pourrait être une promotion dans votre travail, ça pourrait être une augmentation professionnelle, une augmentation au point de vue de votre salaire. Donc, allez, soyez réceptifs, hein? Et je termine par l'énergie de guérison, la foi. Eh bien, j'ai la certitude que j'atteindrai mes buts, que j'atteindrai mes buts. C'est avec la foi, hein, qu'on y arrive. Tout en vivant l'instant présent, eh bien, je fais confiance à l'avenir. J'agis sur ce sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise, n'est-ce pas? Oui, je lâche prise et je confie à notre Créateur ce que je ne peux changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. On termine avec un très beau message, la foi, n'est-ce pas? Merci avec toute ma gratitude à l'archange Métatron et d'avoir passé cette semaine avec nous. Bien sûr. Et moi, je terminerai. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste et lève-toi le matin et remercie pour la belle journée que tu vas passer. Je vous souhaite à toutes et tous un excellent week-end, une toute belle journée. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, de ceux qui vous entourent. Vivez présentement dans la joie, dans la bienveillance, dans l'amour inconditionnel. Je vous embrasse toutes et tous. On se retrouve dans une nouvelle capsule très prochainement. À tout bientôt.